Hey, abouti. Où est passé ce garçon, abouti? Abouti va rentrer, maman. Depuis 2 jours. Maman, je m'en vais puiser de l'eau. Okamaka, s'il te plaît, prends soin de maman. Je reviens. Ah ah, maman, maman, abouti est de retour. Hey, abouti. Ah. Mon fils. Où étais-tu? Laisse-moi d'abord m'asseoir. Hey, j'étais très inquiète. Où étais-tu? Je me suis inquiétée pour toi. Depuis 2 jours, hey. On était si inquiète. Maman, hey, c'est une très longue histoire. Vraiment très longue. Okamaka, donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Okamaka, donne-lui de l'eau, donne-lui de l'eau, vite. Hey, mon fils. Bienvenue. Merci, maman. Mon Dieu. Mon Dieu, où étais-tu passé? Où étais-tu passé? Depuis 2 jours, nous t'avons cherché. Au point où nous avons fait recours au messager pour lancer l'alerte. Pour pouvoir te retrouver. Mais sans issue, où étais-tu? Papa. C'est une longue histoire. Eh bien, tout va bien maintenant. Je remercie les dieux de m'avoir ramené. Encore, où es-tu allé? Oui, où es-tu allé? Et que s'est-il passé? Papa, c'est une longue histoire. J'ai faim. Je veux manger. Quand j'aurai fini de manger, je vous dirai ce qui s'est passé. Ojo, dépêche-toi donc. Allez, vas-y, dépêche-toi. Ton frère a besoin de manger. Poubé, mon amour. Rectificatif. Investisseur. Mon amour, l'investisseur. Futur investisseur. Mon amour, le futur investisseur. Où étais-tu passé ces derniers jours? J'étais inquiète, hein? Même tes sœurs étaient inquiètes. J'ai même dû me rendre chez toi. Mais tu n'y étais pas. Où es-tu allé? Écoute. Comme je te l'ai dit, je suis maintenant le seul futur investisseur que tu as dans ce village. Tu me regardes, sais-tu ce qu'on appelle pétrolier? C'est moi-même. Je suis allé prospecter les lieux. Disons, où je vais investir. Alors, ça m'a pris 2 jours. Mais tout est en place maintenant. Toi, tu m'as vu. Eux aussi m'ont vu, donc. Tout va bien. Alors, arrêtons de parler du passé et parlons de l'avenir. Dis-moi plutôt comment tu vas. Je vais bien, je vais bien. Le futur investisseur, le futur investisseur. qu'en est-il de l'argent que je t'avais demandé? Écoute, très très bientôt, note mes mots, très très bientôt, l'argent ne sera plus un problème pour nous. Relax. Écoute, je vais... construire un gratte-ciel dans ce village. Sais-tu ce que c'est qu'un gratte-ciel? Chai, tu verras très bientôt, une fois que mon investissement commencera à produire, je vais construire un gratte-ciel très très long. Donc je vérifie si la concession de mon père est assez. Je vais détruire cette maison. Je vais construire 3 chalets ou 2. Ensuite, le gratte-ciel. D'ici là, une fois que mon investissement commencera à produire, l'argent ne sera plus un souci. Donc, calme-toi. Je ne comprends pas. Très bien. Je veux me faire des tresses. Celles-ci ne sont plus jolies. C'est vrai. C'est vrai. Celles-ci sont vieilles. Ça voilà. Ne ressemble pas du tout à la femme d'un investisseur ou... Investisseur. Exactement. Ou future épouse. Donc, je vais te trouver de l'argent pour que tu renouvelles. L'investisseur. L'investisseur. Futur investisseur. Hey. Regarde-le. Hey, l'amour. Abouti. Salut. Ça fait un bout de temps qu'on te cherche et toi tu es ici à jouer les mecs amoureux. Abouti, est-ce parce que tu n'as pas d'amour? Est-ce pour ça que tu es jaloux?
Ne t'occupe pas de lui. Allez, viens, nous avons des choses à nous dire. T'occupe pas de lui. Tu penses que c'est le moment d'être amoureux? Ce n'est pas le moment pour ça, pas du tout. Et toi, tu joues les amoureux? Mon frère, je ne peux pas m'en priver. Bébé, je te verrai plus tard, d'accord? D'accord. Oui, prends soin de toi. Au revoir, le futur investisseur. Tu es trop belle. Merci. Mais laisse-moi un moment, Kétine. Au revoir, à la prochaine. Le futur investisseur. J'ai caché mon pot dans la forêt. J'ai bien pris soin de le couvrir avec des feuilles pour que personne ne le voie et se mette à me questionner. Souvenez-vous de ce que Zibien nous a dit. Que nous devons tuer une poule chaque jour de marché. Souvenez-vous, ouais. Et verser son sang dans le pot. Je pouvais pas ramener ça à la maison. Si j'avais ramené ça là-bas, ma mère et mes sœurs se seraient mises à me harceler de questions pour ça, non, trop risqué. Oui, moi aussi j'ai fait la même chose. Je l'ai caché quelque part et je l'ai couvert. Parce que, souvenez-vous de ce qu'a dit Dibia, que si quelqu'un voit ce pot, n'en parlons pas de regarder dedans. Vous savez ce qui nous arrivera. Si quelqu'un le voit avant l'expiration de ces 27 jours... 27 jours Donc, j'ai décidé de le... Je connais mes sœurs. Si je ramène ce pot dans cette maison, elles verront certainement dedans. Donc, je ne veux pas d'ennui. Pas mal comme idée. Moi de même, je ne veux pas les ennuis. Alors j'ai caché le mien dans ma chambre, pour que personne ne puisse le voir. La chambre. Bien sûr. Et mon père me demande où j'étais tous ces derniers jours. Et que lui as-tu raconté? Tu me connais bien. Je n'ai rien dit. Mieux. Ma sœur, je ne sais pas si je dois l'appeler femme, dame ou fille. Tantine. Elle se comporte comme une mère. Tantine. Elle m'a harcelé. Elle est trop curieuse. Elle ne cesse de me demander... Où es-tu allé depuis que je suis revenu? Je vais laisser cette maison. Bam, bam, bam. Nous n'en sommes pas là. Les mecs, écoutez, calmez-vous. Calmez-vous. Pas d'inquiétude. Très bientôt, nous rendrons nos familles riches. Nous serons pleins aux as. Humego. Comme ça. Vois-tu toutes ces grandes maisons qu'il y a dans les autres villages? Nous aurons les nôtres bientôt. Bien sûr. Nous les construirons dans ce village très bientôt. Écoute, quand vous arriviez, vous avez entendu ma copine m'appeler l'investisseur. Ton amour, hein? J'ai maintenant changé mon nom. Je suis maintenant le futur investisseur. T'es sérieux, là? L'unique futur investisseur de ce village. Et encore, véridique, je compte. Avez-vous déjà vu un gratte-ciel? Je veux construire un gratte-ciel dans la concession de mon père, tout blanc. Et j'achèterai une voiture blanche. Blanche. Blanc, blanc, blanc. Vous savez que j'aime le blanc. Même la maison sera blanche. Ma maison sera blanche. Nkwedi, quels sont tes projets? Tout d'abord, je vais voyager pour les USA. Nkwedi aux USA. Pour en Amérique, je vais partir avec ma sœur. Bien sûr. Mais attends. Attends, Nkwedi. Si tu voyages, qu'arrivera-t-il à Okoïté? Je l'emmènerai avec moi. Okoïté dans un avion. Nkwedi le voyageur. Oui. Nkwedi, ouais. Mon meilleur ami. Nkwedi, moi je reste ici. Je vais juste construire une très belle maison. Près de notre petite maison en terre. Une très tu belle veux maison. Détruire cette maison en terre. Mais je vais la détruire. Non, je pense que je vais la garder pour ne pas oublier. Tu vois, pour me souvenir de l'ancienne époque. Les souvenirs. Et alors, j'achèterai trois belles voitures. Une pour moi, une pour ma mère. Mes sœurs se partageront la dernière. Voilà. Mes sœurs n'ont cessé de m'insulter. Alors je leur ai dit que quand l'argent y sera, elles auront 15 ans de souffrance. C'est après ces 15 ans qu'elles pourront bénéficier. Écoute, mon père ne le sait pas encore, mais je me rassurerais bien de sortir avec toutes les belles filles de ce village. Toutes ces filles. Abouti, attends. Quoi? Ma petite amie est dans ce village. Cache ta petite amie. Cache ta petite amie. Écoute, une fois que j'aurai l'argent, je vais aller l'épouser. Avant que... Seulement pour l'éloigner de toi. Et après, je lui serai infidèle. Petit à petit. Essaie d'imaginer. Imagine ce gars, tu veux être infidèle. J'ai dit petit à petit, sans courir. Écoute le parler. Je ne vais pas me précipiter. Tu vois un peu. Mais je vais d'abord aller l'épouser pour l'éloigner de Mais toi. Mais je l'aime. C'est l'amour. Tu aimes qui? Calme-toi, calme-toi. Hey, respecte-toi. Hey, Nkwedi. Alors tu veux voyager?
Bien sûr que oui. Eh Boubé, d'où est-ce que tu viens? Écoute, Ourenna, je ne suis plus un enfant. Je suis un homme adulte, un grand garçon pour ton info. Donc, j'ai le droit d'aller où je veux, quand je veux. Hmm? Alors, arrête de me poser ce genre de questions. Hmm? En fait, la raison pour laquelle vous m'avez vu cet après-midi, c'est parce que j'ai faim. Qu'avez-vous préparé? J'ai vraiment faim. Eh, bébé, tu as faim. Écoute-toi. Tu as quitté cette maison pendant 2 jours. Et tu es revenu hier sans même me dire où tu étais. Et depuis lors, tu te comportes bizarrement. Maintenant, tu me dis que tu as faim. Viens manger. Je ne te comprends pas. Es-tu confuse? Dis-moi, quel est le rapport avec le fait que j'ai faim et le fait que je me comporte bizarrement? Je viens de te dire que j'ai faim. Ton devoir est d'aller chercher à manger et de venir me le donner. Que je te donne de quoi manger? Oui. Eh, Boubé, depuis la mort de nos parents, as-tu déjà donné ne serait-ce qu'un naira? Un naira? Et tu veux que moi, Ourenna, que j'aille te chercher de quoi manger? Tu n'es pas sérieux. Tu es celui qui est censé nous fournir de la nourriture, et non le contraire. Dis-lui. Si je te gifle, si je te gifle, viens là, donc elle parle, toi aussi tu parles. Je ris. Savez-vous pourquoi je ris? Parce que très bientôt, très, très bientôt, aïe, Eboubé deviendra populaire. Eboubé aura une autre facette. Très bientôt, j'aurai un argent fou. Vous savez quoi? Je serai sérieusement riche. Très, très riche. Et quand ce moment viendra, pas un sou, un rond, un centime, un radis, une pièce, 5 naira, je ne vous donnerai. Je me rassurerai que la faim se charge de vous d'abord, pendant environ 15 ans, avant de commencer à vous insérer dans mon projet. Vous saisissez? Donc, t'inquiète pas, comme je t'ai dit, je suis un grand garçon. Je peux bien prendre soin de moi. J'y vais voir comment prendre soin de moi. D'abord, préparez. Vous ne savez même pas préparer. Mangez votre nourriture seule. Je suis un adulte. Je peux prendre soin de moi-même. Je vais à l'intérieur me reposer. Un tout petit peu. Vous pouvez garder votre nourriture. Ne t'occupe pas de cet inutile. Quelqu'un qui ne travaille même pas. Comment gagneras-tu de l'argent? Ne te laisse pas décevoir. Ne pars pas travailler. Reste là, te reposer. Copain Eboubé sera très très riche avec beaucoup d'argent très bientôt. Et il a promis de m'acheter tout ce que je voudrais. Yak, comment est-ce possible? Pourtant il n'a aucune activité. Ma sœur, demande-lui comment une personne sans travail raisonnable peut-il avoir de l'argent, hein? Comment cela est-il possible, hein? La jalousie, hein? La jalousie. Vous êtes toutes les deux jalouses. Très, très jalouses. Ne vous inquiétez pas. Vous serez dans ce village et vous verrez comment ça arrivera. Hein? Il m'a dit qu'il a un business. Un business qu'il a mis sur pied. Et quand ça produira, nous aurons beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et il m'en donnera aussi. Et je ne vous en donnerai pas. Vous êtes jalouses. Qui? Regarde-toi. Eh bien, je sais que tu n'aimes pas me voir heureuse avec ton petit ami cueilleur de vin. Amba, arrête ça! N'est-il pas un cueilleur arrête de vin? Arrête ça! N'est-il pas mieux pour elle d'avoir un petit ami qui est cueilleur de vin que ton soi-disant copain qui certainement ne fait rien de sa vie avec sa casquette d'investisseur? T'occupe pas d'elle. Mensonge. N'importe quoi. Investisseur. Eh bien, c'est de ma faute.
Je suis là à parler avec des gens pauvres comme vous. On verra si vos petits amis seront riches. L'hôpital qui se moque de la charité. Laissons les morts enterrer les morts. Allons-y. Kweti, tu te comportes bizarrement depuis que tu es rentrée de Dieu seul sait où. Oh, et tu ne permets même à personne d'entrer dans ta chambre. Tu fermes ta chambre chaque fois que tu sors. Ujo, ce ne sont pas tes affaires. Quand papa rentrera, dis-lui que je suis allée voir mes amis. Kwadi, où est-il? Il est sorti, papa. Papa, Kwadi se comporte bizarrement depuis qu'il est rentré de je ne sais où. L'autre jour, je l'ai vu apporter une poule dans sa chambre. Quoi? Et il ferme sa chambre chaque fois qu'il sort. Une poule? Oui, papa. Dans sa chambre? Mais, qu'en est-il de ces ignames? Sont-elles prêtes? Oui, papa. Va me servir. Je sais que tu vas aimer, papa. Je n'avais pas le choix. Alors j'ai volé la poule de ma mère et je l'ai utilisée pour le sacrifice. Aïe, intelligent. Ah,
intelligent. Pourquoi ? Mais ce que tu as fait est bien. Mon père est très curieux. Oui, vous savez, j'ai gardé le mieux dans ma chambre. Car il allait me surprendre. Mais pourquoi ? Quoi dit ? Comme ta petite sœur se comporte comme une sorcière, elle verra juste cette okédie. Mais oui ! Pourquoi es-tu comme ça ? Tu veux mourir ? Pourquoi es-tu allé cacher cette okédie dans ta chambre ? Imagine, veux-tu mourir ? Pourquoi l'as-tu cachée dans ta chambre ? Ah. Écoute, quoi dit, pour ton bien, sûr. Pour notre bien. Va enlever cette okéité de ta chambre. Va chercher un autre endroit pour le cacher. Tu sais quoi, Cody? Hein? Je t'en supplie. Quand tu seras chez toi, va sous ton lit et retire cette okéité pour éviter des histoires. On ne veut pas de problème. Oui. Ha. Eboubé, dis-nous tu veux. Où est-ce que tu as gardé ton pot? J'espère que ce n'est pas dans ta chambre comme certains. Pourquoi tu me poses ce genre de questions? Je demandais Quand tu me vois, je ressemble à Cody. Je ne sais pas. Avons-nous un seul trait de ressemblance? Je te fais confiance. Ha. Écoute. J'ai caché mon okéité dans une brousse près de chez nous. Pas mal, c'est bien. Le souci maintenant est que je serai obligé de bouler. Je comprends pas. Tu sais quoi ? Quand je suis sorti de chez nous ce matin, j'ai vu une poule. La poule semblait avoir perdu son chemin, marchait aux alentours du village. J'ai juste... Je l'ai attrapé. Tu sais pourquoi je dis souvent que je suis un voleur ? Parce que chaque poule que je croise dans les poulaillers de mes voisins, je les attrape. Mon okéité boit trop de sang. Hey, assez de sang. Excès de sang. L'argent sera en excès. Voilà. Pas celui-ci, je sais. Ah, t'occupes pas de... Ah, laisse tomber. D'après mes calculs, il nous reste... 12 jours. Oui, 12 jours. Écoute, et très bientôt, nos 27 jours de secret seront terminés. Attends, combien font 27 moins 12 ? Combien, hein ? Je ne sais pas. Je pense 15. Hey ! Quoi dit mon intello ? Pour la première fois, tu as été utile. Kadaba Ogwa, 15. Donc, dans 15 jours, nous serons riches. Nous serons opulents. Friqués. Mais attendez. Vous savez qu'on ne fait rien. Alors comment aurons-nous cet argent ? Et vous, non, laisse-moi m'occuper de ce garçon. Calme-toi, tu veux. Attends, comment ai-je connu ce garçon ? Ce garçon n'est pas optimiste. C'est comme ça que tu iras en Amérique ? Si nous avions su, nous aurions dit à Dibia de lui donner Mounier. C'est des soirs. Ou le petit Obélité. Hey, qu'est-ce que tout ça ? Ce gars n'a pas la vision d'un millionnaire. Mais alors vraiment pas. Ah. Mais toi, tu as la vision d'un millionnaire. Tu crois ? Mais bien sûr. Mais c'est juste que ce gars, il m'énerve. Et tu t'étonnes quand tu traites d'idiot ? Quant à cet argent, je suis sûr que je l'aurai. Je m'offrirai une maison et mes 3 voitures. Ok, Dédé. Mon gratte-ciel, tout blanc. Je te fais pas dire. Des voitures blanches. Je confirme. Tu ne sais que raconter des sottises. Si tu as besoin d'un gratte-ciel, faut me dire. Parce que c'est comme si ton okoïté ne produira pas de l'argent. Es-tu sûr que tu m'aimes quelque chose dans ton okoïté? Attends, Onkwedi, quelle est la dernière fois que tu as fait le sacrifice? Je ne m'en souviens pas. Il est terrible, son Kwedi. Un Kwedi ne sait pas quand il a pourquoi es-tu si bête? Un Kwedi ne t'apportera pas de l'argent sans peu. Hey! Ce gars est trop bête. Tu exagères. Ne t'inquiète pas. Quand j'aurai de l'argent, je t'en donnerai un peu. Je construirai quelque chose pour toi. Pas besoin. Quand j'aurai le mieux, j'irai aux USA avec Okaïté. Il veut prendre le Kwedi et voyager avec aux États-Unis. Comment est-ce possible? Aux États-Unis? Écoute, tu n'es pas sérieux. Que feras-tu? Tu seras privé de Kwedi aux USA. Je chercherai une petite poule. Hein? Où trouveras-tu une volaille aux USA? Dans un barbecue. D'où est-ce qu'il sort ? Attends. Es-tu sûr que ce garçon fait vraiment des sacrifices à son okéité ? Es-tu sûr que tu le nourris vraiment ? Hein ? C'est très évident. Est-ce que tu vois ce garçon ? Si tu n'as rien pour faire le sacrifice, utilise même la sangsue. La sangsue, mon frère. Ou alors des moustiques, c'est ça. Bon, si j'étais toi, tu vois ta petite sœur. Elle ne sert à rien. Tu peux l'utiliser. Suis mon conseil. Ressaisis-toi. Hein ? Pour que quand tu auras cet argent, tu ne te comportes pas comme ça. Rigole si tu veux. Dans ma maison, il y aura un parking avec 1, 2, 3 voitures. C'est certain. Et moi, mon gratte-ciel, des voitures blanches, sans oublier un chalet blanc. Tiens, mon frère. Mon futur investisseur. Ton petit bébé est là. Futur investisseur. Futur investisseur. Bienheureux les amoureux. Futur investisseur. Ouh. Comment tu vas? Je vais bien. Mais je t'ai demandé de m'attendre chez moi. Oui, mais tu me manquais trop donc. Hey. Viens t'asseoir, ne t'occupe pas d'eux. Hein? Je pense qu'on va y aller. Tu devrais. Pas de bêtises. Tu es un peu juste. Allons-y, Kwedi, les soirées. Tu dois, Kwedi, vas-y. Kwedi, fais ce qu'on t'a demandé. Ha! L'épouse du futur investisseur. Oui, mon futur investisseur. Vérifie ma casquette. Vois-tu la richesse qui se dessine dessus ? Oui.
tu vois. Je vois. Très bientôt, nous serons très riches. Je commencerai à investir sur toi. Je veux une ménagère. C'est insignifiant. Tu m'insultes là. Mon investisseur. Tu auras une ménagère pour chaque chose. Une pour laver tes chaussures, une pour tes jupes et une pour tes chemises. Tu n'auras pas besoin de toucher quoi que ce soit. Tu changeras de coiffure chaque matin. Chaque jour, tu auras une nouvelle coiffure. Donc, écoute. Quand j'aurai ma voiture blanche et que tout le monde te verra descendre de cette voiture blanche, montre-moi comment tu marcheras. Quand tu descendras de ma voiture blanche. Alors, les ménagères verseront des fleurs. Assez de fleurs. Je vais donc marcher comme ça. Ha! Ha! La chérie de l'investisseur. La chérie de l'investisseur. Quand j'aurai fini de construire mon gratte-ciel, hein? Lasson, tu ne vas même pas marcher. Quand tu voudras aller dans le gratte-ciel, tu entres, l'ascenseur t'emmènera. Comme l'échelle? Hein? L'échelle? Merci, tu es intelligente. Kwedi! Kwedi! Il n'est pas dans sa chambre. Je vais voir ce qu'il cache. Dans cette chambre. Alors, pourquoi le verrou est toujours-il? Alors, il est sorti? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans sa tête? Hein? Ourenna, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille, je sais ce que je fais. C'est tout poncé. Et Boubé? Hein? Tu sais que nos parents sont morts. Tu ne veux pas te trouver un travail. Tout ce que tu fais, c'est suivre tes amis dans tous les villages. Tu ne sais pas que tu es un homme? Non, non. Je ne suis pas un homme. Je suis une femme. Ne suis-je pas celui qui t'a dit l'autre jour que je ne suis pas seulement un homme? Je suis un homme adulte. Prends note. Quand je venais vérifier si cette parcelle de terrain... Si cette parcelle de terrain serait suffisante pour construire ce que je veux construire, je veux construire 3 ou 4 manoirs sur le terrain de mon père. Je vérifiais. As-tu déjà vu un gratte-ciel? Ne t'inquiète pas, tu le verras très bientôt parce que je veux détruire celle-ci. Et pensez à construire mon gratte-ciel parce que je vérifie la topographie du terrain où ma maison peut être bien fixée. T'inquiète pas. Arrête de te déranger. Je sais ce que je fais. Qui est-ce qui te trompe? Comment vas-tu faire tout ça si tu n'as même pas un travail? Penses-tu que l'argent tombe du ciel? Aide-toi et le ciel t'aidera. Alors, qui te dit que je ne m'aide pas? Connais-tu les projets que j'ai, les investissements que je fais? Hein? Je n'ai vraiment pas le temps de discuter avec toi. Et comment peux-tu? Laisse-moi te dire. Et Boubé, prends soin de lui. Regarde-moi, ma sœur. J'ai entendu. Je suis maintenant le nouveau Pinault. As-tu déjà entendu parler de Pinault? Donc, je suis le nouveau Pinault. Tu peux désormais m'appeler ainsi. Très bientôt, je vais vérifier. Mais souviens-toi que je vous ai donné 15 ans. Après les 15 ans, tu peux avoir la voiture que tu veux. Après 15 ans. Donc, je vérifie. Je veux aussi acheter un terrain. Dans certains endroits stratégiques. C'est ce que je veux maintenant, vérifier où je peux investir mon argent à l'avenir. Je suis un futur investisseur. Donc, je n'ai pas de temps à discuter avec les femmes. Je ne sais pas combien ça prend de faire de l'argent. Beaucoup d'argent. Donc, on verra quand je reviendrai. Eh, Boubé. Oui. Eh, Boubé. Oui.
Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Quelqu'un qui n'a pas de travail et qui pense à construire un gratte-ciel. Ah, c'est incroyable. C'est la meilleure. Mais quand est-il allé voler? Ah, et Boubé ne peut pas. Et Boubé ne peut même pas construire une maison. Je vais à l'intérieur. Ukamaka! Chiamaka! Oui, oui maman. Maman! Venez ici toutes les deux! Ukamaka! Où est la poule que j'ai gardée sous ce panier? Maman, je n'ai rien vu. J'ai gardé la poule sous ce panier avec les pattes attachées et j'ai posé un caillou au-dessus. Où est ma poule? Je n'ai maman. Rien vu, maman. Ça semble étrange. Maman, je ne sais pas. Tu n'as vu aucune poule. C'est étrange. Très étrange. Ça semble vraiment étrange. N'est-ce pas? Vous feriez mieux de chercher ma poule. Bon après-midi, maman. Abouti? Maman? Bienvenue. Où est la poule que j'ai gardée sous ce panier? Une poule? J'en sais rien. J'ai pas vu de poule, maman. Que savez-vous donc? Leur as-tu demandé? Vous ne savez pas. Que voulez-vous dire par là? Que je leur demande? S'il vous plaît, allez chercher ma poule. Ah, maman. Combien sommes-nous dans cette maison? Un instant, maman. Je pense que j'ai vu Amaka. Ukamaka ce matin. Moi? Oui, elle avait Ukamaka. Ce panier. Maman, c'est Ukamaka. Personne d'autre. Où est ma poule? Je n'ai rien maman, vu. Maman, c'est Ukamaka. Je n'ai vu Ukamaka, aucune poule. C'est elle, c'est Ukamaka. Je n'ai vu aucune poule, maman. Ici. C'est certain que c'est où elle. Où est ma poule? Je n'ai pas vu de poule. Je... Maman, je n'ai rien c'est Ukamaka. Vu. Dis-moi. Mais je non. Maman, je n'ai rien vu. Ukamaka. Ukamaka, où est ma poule? Ah, mon mari. Une minute. Vous vous moquez de moi toutes les deux? Sale petite fille. Essayez de vous regarder. Stupide comme vous, vous vous moquez de moi. La petite amie d'un investisseur. Ne vous inquiétez pas. Mon copain se fera beaucoup d'argent, vous verrez. Vous riez. Je passe et vous vous moquez de moi. Espèce de stupide. Hey, les surprises ne finiront pas. Ok, du coup, s'il te plaît, allons. Laissons les morts entrer. Tu fais hein? Qu'est-ce que tu es en train de te parler? Et toi, tu veux passer? C'est ça? Tu m'as chiffé? Timo! Mange! Timo! Thank you.
Hey. C'est pourquoi les singes se déplaçaient partout à cette époque. Mais de nos jours, ils sont de l'autre côté de la rivière. Nous étions des enfants comme vous. Les singes avaient l'habitude d'envahir ce village. À cette époque, ils pouvaient vivre au milieu des habitants, en toute quiétude. Ah! Papa! Ah! Kweti! Kweti! Qu'y a-t-il? Ogini, qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? Kweti! Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Papa! Hey! Hey! Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, maman! Hey! Papa, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Hey! Maman, quand j'aurai de l'argent, je te ferai construire une très grande maison dans ce village. Je t'emmènerai même en ville. Aisiez-vous. Tu auras une très belle voiture avec laquelle tu te déplaceras dans le village, tu vois, aller aux réunions. Hey. Et c'est bientôt. Je te fais confiance. Voilà. Je sais de quoi tu es capable. Abouti. Je sais. Abouti. Je sais. Ah. Maman, bon après-midi. Nanwa. Et Boubé? Bon après-midi. Comment vont tes sœurs? Elle va bien. Abouti, je dois te parler. J'espère que tout va bien. Abouti, viens d'abord. Arrête de me poser des questions. Viens d'abord. Maman, Abouti, va voir ton ami. Ok, j'y vais, je reviens. D'accord. Viens. Mais viens. Oui, et vous, pourquoi es-tu venu sous ce chaud soleil me déranger pendant que j'expliquais à ma mère ce que je vais lui acheter quand j'aurai l'argent? Hein? De quel argent tu parles? De quel foutu argent tu parles? Quel argent tu travailles pendant qu'il y a le feu sur la que montagne? Que veux-tu dire? Nkwadi est mort. Quoi? Nkwadi est mort. Ce n'est pas un mensonge. Je viens juste de chez eux maintenant. Hey! Je l'ai vu. Il est mort. Que lui est-il arrivé? Hey! Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais nous sommes dans le sale drap. Il est juste tombé, raide mort, chez eux. Il est mort, juste comme ça, juste comme ça. Juste comme ça? Juste comme ça, notre ami est mort. Hey! Non. Et vous voyez, quelque chose ne tourne vraiment pas rond. Il y a quelque chose qui cloche. Ah, se peut-il que quelqu'un ait vu son pot? Ou quoi? Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Suis-je son gardien? Ah, bam! C'est juste une hypothèse. Est-ce que je garde mon pot à côté du sien? Pourquoi me poses-tu ce genre de questions? Mais écoute, nous sommes dans le faire quelque chose. Nous devons aller voir Dibia maintenant. Mais oui. C'est un cas urgent. Écoute, c'est mieux d'y aller tout de suite. Immédiatement, il n'y a plus de temps à perdre, poupée. Dépêchons-nous. Ouais, allons-y. Allons-y. Et Boubé. Dieu merci, je t'ai vu. Ces filles stupides, Hugo Choco et Sinoué, elles m'ont giflé. Et je veux que tu viennes les corriger. Mketi, ce n'est pas le moment pour ça. Je suis en route pour quelque part. Quand je reviendrai, je te verrai. Où ça, quelque part? Ne t'inquiète pas, dois-tu tout savoir? J'ai dit que quand je reviendrai, je te verrai. Je vais te laisser ici, qu'est-ce que tu crois? Attends une minute. Viens me... On se voit à la rivière.
Oh, je t'ai dit que ces deux filles m'ont frappé. Tu veux me laisser ici et partir? Qui va s'occuper d'elle maintenant? Qui va s'occuper d'elle? Ce n'est pas le bon moment maintenant. Quand je reviendrai, je m'occuperai d'elle. Mais pour le moment, je dois aller quelque part. Oh, Eboubé! Assieds-toi. Je reviens. Eboubé, ces filles me frappent et tu veux me laisser? Ces filles m'ont frappé. Je vais m'occuper d'elle personnellement. Pour qu'ils se prennent d'elle? Thank you.
Attends, et attends. Pourquoi cours-tu? Suis-la, Dieu merci. Nous sommes en route pour aller voir Dibia. De quel Dibia est-ce que vous parlez? Mais quel est ce genre de question? Combien de Dibia est-ce que tu connais? Tu ne nous reconnais plus? N'est-ce pas les Dibia qui nous a donné l'okéité il y a 2 semaines? Je tiens là mon sac, hein. Comme vous pouvez le voir, je m'en vais de ce village. Pourquoi? Izé Dibia était trouvé mort ce matin. Avec son corps, puant, en état de décomposition. En même temps, Willy me fait gouiller. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Tu dis? C'est pas vrai. C'est. Tu dis? Je vous le dis. Tu dis? Écoute, je ne veux pas mourir. C'est mort! Abouti. Nous sommes dans le pitrin. Attends, que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je ne sais pas si vous me demandez à qui devrais-je demander. Écoutez. Attends, reviens nous expliquer. Seigneur, nous devons le rattraper. Attends, attends, bon, le viens. Viens, nous ne pouvons pas le rattraper. Oh. Qu'allons-nous faire à rester ici, hein? Tu sais quoi? Allons vérifier. Pourquoi par nous. Est-il en vie? Il est mort. Ah, ils disent qu'il pue déjà. Hey, Abouti. Pourquoi est-ce que tu m'appelles comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Mes voitures blanches tombées à l'eau. Mes voitures blanches. Maison blanche. Aïe. Hey. C'est quoi ce cirque? Oh, je savais qu'on Kodi gâcherait tout. Ce gars était trop stupide. D'où ça sort, ça? D'où ça sort? Hey. Mes 3 voitures tombées à l'eau. Quelle voiture? Mon frère. Mon frère. J'ai entendu parler de la mort de ton ami Nkodi. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, ma sœur. Je ne sais pas. Tout d'abord, c'était Adaoliza. La fille a juste disparu dans la nature. Personne ne parle ou ne se soucie d'elle. Juste parce que c'est une orpheline. Et maintenant, c'est ton ami, Nkodi. Que se passe-t-il réellement?
Comme tu peux le voir, je suis confus. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas qui ou quoi est après nous. Eboubé, tu es mon unique frère. Tu dois vraiment être prudent. Parce que l'événement récent semble vraiment bizarre. Et je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Même si nous nous disputons et nous querelons, tu sais que je me soucie de toi. Je sais. T'inquiète pas. T'inquiète pas, je peux prendre soin de moi. Rien ne m'arrivera, d'accord? Ok. T'inquiète pas, je vais à l'intérieur maintenant. Tu vas bien? Oui, je vais bien. D'abord, c'était Adaoliza. Maintenant, Nkwoti. Que se passe-t-il réellement? Dieu de nos ancêtres, nous sommes entre tes mains. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que Dibia a-t-il pu mourir de cette manière? Hey! Qu'allons-nous faire? J'ai également perdu Nkwoti, mon meilleur ami. Que vais-je faire maintenant? Hein? Je dois parler à Eboubé. Nous devons partir de ce village. Oui. C'est ce que nous allons faire. Nous devons partir d'ici. Abuchi? Abuchi, le repas est prêt que je l'apporte? Non, je n'ai pas faim. Je t'en prie, mange un peu, non? Tu n'as rien mangé depuis un moment. Je t'ai dit que je n'avais pas faim, je n'ai pas faim! Ah! Laissez-moi, vous devez me laisser. Hein? Je vais vous dénoncer à mon petit ami. Je vais vous dénoncer à mon petit ami. Il viendra s'occuper de vous. S'il te plaît, tais-toi. Écoute, c'est après qu'on ait fini avec toi que tu iras appeler ton stupide copain. Tu as eu l'audace de me gifler au Gochuko dans ce village. Aujourd'hui, je vais te tuer. Après avoir fini avec toi, hein, si tu veux, va dire à ton stupide et inutile investisseur ou je ne sais quoi. Je vais te tuer. Laissez-moi tranquille. Couche-toi. J'ai dit couche-toi. J'ai dit de te coucher, non? Couche-toi, je te demande de te coucher. Je suis désolée. Ewa, Chinois, désolée. Gochuko, désolée. Attends. Désolée. Tu as eu l'audace. Désolée, s'il vous plaît. Maintenant, excusez-moi, s'il vous plaît. Aïe. Oui. J'ai réfléchi. Je pense que la meilleure chose à faire pour nous maintenant est que nous quittions ce village. Abuchi. Est-ce que tu t'entends parler? Je ne comprends pas. Quitter ce village, comment? Si tu quittes ce village maintenant, qu'arrivera-t-il à Aokeite? Je ne sais pas pour toi. Pour ma part, je prendrai mon pot et nous partirons loin. Oui, je pense que nous pouvons encore être riches. En plus, il ne reste que 5 ou 6 jours avant que les 27 jours dont Edibia avait parlé soient expirés. Nous nous ferons de l'argent. Après, on revient. Abuchi, je crois que je commence à voir Nkwoti en toi. Tu commences à parler comme Nkwoti, qui disait qu'il irait avec son Okeite jusqu'aux États-Unis. Comment peux-tu voyager avec Okeite? Dans un bus, comment? Que dis-tu là? Nkwoti était stupide. Écoute, nous le mettrons dans un sac noir. Un sac noir? Ça sera caché, personne ne le verra. Allons nous faire de l'argent. Dès qu'on est riche, on revient construire nos maisons. Et nos gratte-ciels, et nos voitures. Et le sac noir dont tu parles, s'agit-il d'un sac de voyage, d'un sac bako ou d'un sac plastique?
Parce que je suis confus, là. Que dis-tu encore? Un sac de voyage ou un sac bac, qu'importe du moment que c'est noir. Avons-nous un sac de voyage noir? As-tu déjà vu un sac de voyage noir avant? Alors le sac bac, il y a des sacs bac noirs, nous en avons ici. Ah ah! Qu'importe le sac, hein? Mais attends. Tu as raison. Ah. Ok, nous allons prendre notre okéité. Voyager pour la ville. Quand on gagnera de l'argent, nous reviendrons dans ce village. Personne ne nous comprendra. Personne ne se doutera de rien. Abouti, tu es intelligent. C'est ce qu'on fera. C'est un bon plan. Personne ne comprendra. T'inquiète pas, nous reviendrons pour construire nos maisons et nos gratte-ciel. Tu verras. Maison blanche. Trouillard. Une maison blanche. Hey! Bien, Katie. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ces deux filles, elles m'ont encore frappée. Elles m'ont même obligée à me mettre à genoux et m'ont frappée. Yaka! Abouti, aide-moi à gérer ça. M'appelle pas, je n'ai aucune envie d'être impliquée dans votre relation. Katie. Oui. J'ai besoin d'espace. S'il te plaît, laisse-moi de l'espace. Accorde-moi un peu de temps. Parlant qu'est-ce que de mon tu racontes? Investissement, je réfléchis. Je réfléchis à de nouveaux investissements. Donc, s'il te plaît, pour le moment, si tu veux venir de cette direction, prends l'autre direction. S'il te plaît, j'ai besoin d'espace. Mais elles m'ont frappé, Boubé. Et Boubé, viens te battre pour moi. Je suis là m'inquiéter sur comment nous trouver de l'argent. Elle est là, madame. Laisse tomber, c'est mieux. Je vais y aller. Quand tu seras à la maison, apporte le sac noir. Oui, je prendrai deux sacs. Un aussi pour moi. À la maison. Et aussi l'agence de voyage, pour qu'on soit préparé. Ah, nous pouvons voyager n'importe où. Il y a des endroits où nous pouvons aller. T'es sûr? Ne t'inquiète pas pour l'endroit. Trouve d'abord les sacs, d'accord? Pas de problème. Laisse-moi aller chercher de quoi manger. J'ai vraiment faim. Eh Boubé, tu dois te battre pour moi. Je ne sais pas pourquoi tu as peur. Eh Boubé, viens te battre pour moi. Eh Boubé, de quoi as-tu peur? Viens te battre pour moi. Attends, Eh Boubé, viens te battre pour moi. Oh, Eh Boubé. Eh Boubé, pourquoi tu te comportes comme ça? Adaoliza, s'il te plaît. Eh Boubé, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est un balai. De 13 naira dans ce village. Vrai? Hey. Tu sais, les prix des articles au marché ces jours. Tout est cher actuellement au marché. Abouti! Hein? Ton ami est mort. Mon ami? Qui? Eboubé est mort. Il est mort. On l'a trouvé allongé sur la route du village. Son corps empeste de partout dans le village. C'est pas vrai. Abouti, qu'est-ce qu'il y a? Eboubé, Timo. Que se passe-t-il? Timo. Abouti, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, c'est Eboubé. Eboubé? On l'a trouvé mort. Abouti! Je vais me confesser. Vas-y, confesse-toi. Ok. Tout a commencé l'an dernier. Je rentrais à la maison avec Adaoliza. Thank you.
Vraiment. Cette maison est très belle. Je te le fais pas dire. C'est comme un palais. Aïe! Hé! Si seulement tu pouvais avoir les couilles d'un homme, nous pourrions aussi nous faire de l'argent et construire quelque chose comme ceci. Mieux que celle-ci. Moi, Avuti, construire ce genre de maison dans ce village. Comment? Dans quelle vie? Qu'est-ce que tu fais? Non, qu'est-ce que je fais? Qui puisse produire le genre d'argent pour faire ces fondations? Ne parlons pas de cette grande maison dans ce village. Ah, oublie ça, s'il te plaît. Oublie ça. Tu vois les propriétaires de cette maison? J'ai entendu qu'il ne fait rien en ville. Hein? Et d'où provient son argent? Écoute, tout ce qu'il a eu à faire, c'est d'avoir un puissant charme appelé Okeïté. T'es pas sérieuse? J'ai même entendu que quand tu as ce charme, après un moment, tu deviens très riche. Et même plus que les propriétaires de cette maison. C'est donc ça qu'ils font. Mais comment es-tu sûr que ce soit vrai? Comment en es-tu sûr? Pourquoi doutes-tu? Car cette histoire n'est pas claire. Je l'ai eu d'une source très fiable, écoute. Écoute, regarde, tout ce que nous avons à faire, c'est de convaincre Ngodi et Eboubé. Pour qu'on puisse avoir cet argent, allons chercher cette Okeïté. Okeïté, nous pourrons avoir de l'argent pour construire ce genre de maison et même plus. Je veux avoir de l'argent, tu sais, non? Okeïté. Tu sais que je suis pauvre, c'est juste que... c'est ok. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Avant tout, on va se calmer, on rentre à la maison et on en discutera bien mieux. J'essaierai de contacter Ngodi et Eboubé pour leur parler de ça et... Maintenant tu parles. Okeïté. Nous devons faire cet argent. Construire de belles maisons comme celle-ci. Regarde les vitres. Elles brillent tellement. Hey. Allons-y. Écoutez, quand on aura cette Okeïté, nous deviendrons très riches. Vous voyez ces grandes et belles maisons dans ce village. Nous construirons les plus grandes et même les meilleures. Vous avez entendu, les gars? Donc, ce que tu essayes de dire, c'est que Okeïté est le chemin. Okeïté est la solution à tous nos problèmes. Alors, où s'en procurer cette Okeïté? Je réfléchis. Oui, comment s'en procurer? Exactement. Je te l'ai demandé. T'as juste dit Okeïté. Comment est-ce qu'on l'aura? Et combien est-ce que ça coûtera? Tu sais qu'on n'a pas d'argent. Regarde-nous, on est tous des fauchés. Même pas un franc. Écoutez, je connais un grand Dibia. Quand nous le verrons, il fera tout pour nous. Ada Olivia, si ce Dibia est si grand, combien de voitures possède-t-il? Merci. C'est une question très, très, très importante venant de mon très cher et fidèle ami, Ngodi. Tu es intéressant. Combien de voitures possède ce Dibia? Tu sais, j'ai l'ambition de construire un gratte-ciel dans ce village, je te l'ai toujours dit. A-t-il construit un gratte-ciel, même si c'est la moitié de ça? Tu sais, parfois, les dieux ne leur permettent pas d'avoir de grandes grandes maisons. Afin qu'ils ne soient discrets. Écoutez, je vous le dis, Okeïté est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Une fois qu'on aura cette Okeïté, on sera riche de Donc, ce que tu essayes de dire est que, quand on aura cette Okeïté, moi et Boubé, je deviendrai bientôt riche. Ngodi, nos jours de souffrance sont terminés. Abouti, mon très cher ami. Nos jours de souffrance sont terminés. Tu l'as dit. Mais attends, écoute. Écoute. Je ne veux pas juste du Okeïté. Ce que je veux, c'est du premium Okeïté, avec un contenu de qualité. Wanne, maintenant tu veux choisir l'Okeïté. Hey, c'est bien pour toi. Nous serons bientôt... Que disons-nous maintenant? Où se trouve ce Dibia? Dis-nous où il est. Il se trouve à Ebenezer. Donc, nous devons traverser les rivières pour aller le voir.
Mais hein, quand nous l'aurons vu. Combien coûte cette okaïté? Oui. Bam. Dites-nous quel est le prix à payer. Nous n'avons pas d'argent. Même pas un franc. Nous n'avons pas d'argent. Calme-toi. Je sais que nous n'avons pas d'argent. Ce divin ne prend pas d'argent. Hein? Quand il nous aura donné cette okaïté, hein, et quand on aura fait de l'argent, alors on pourra lui donner ce qui nous vient du cœur. Et nous quoi? Juste comme ça? C'est incroyable. Qu'attendons-nous? C'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'on attend? Allons faire de l'argent. L'argent, oui, viens. Tu sais que j'ai des rêves. Le Seigneur nous a bénis. Tu sais que j'ai des rêves. Je sais que tu as des rêves, mais attendez. Abouti. Je commence à avoir peur de cette fille. Adaoliza, donc tu as franchi notre territoire. Tu ne connais pas seulement les grues de ce village, mais tu as traversé les rivières de l'autre côté et tu connais tous les dibias de ce village qui donnent l'okéité gratuitement. Mon frère, je suis... Hey, une touriste. Nos souffrances sont terminées. Je t'achèterai la voiture. C'est moi qui la conduirai. J'ai de grands rêves. Hey, Unkwadi a de grands rêves. Commence d'abord à agir comme un homme. Abouti. Tu sais, nous avons essayé de faire de l'argent. Nous avons fait notre possible. Et maintenant, elle nous dit à tous que OKIT est la solution. Je soutiens l'idée et je pense que nous devons nous donner une chance. Allons chercher cette OKIT et voyons ce qu'il adviendra. Moi aussi. Tu as raison. Ma famille vit dans la misère. Donc je pense que j'irai avec elle. J'irai avec elle. On est d'accord, alors faisons-le et devenons riches. C'est juste que il y a quelque chose qui me tracasse à propos de cette okéité. Du moment où nous aurons l'okéité, comment aurons-nous l'argent? Je veux dire, est-ce que ce sera le pot qui va se remplir d'argent ou alors une pluie d'argent va s'abattre sur nous? Je comprends pas vraiment le processus. Qu'en dites-vous? J'y ai aussi pensé. Tu as raison, cette question est vraiment très importante. Personne ne sait comment ça arrivera, mais puisqu'on nous a dit que si tu as l'okéité, tu as l'argent. Alors, essayons. Lorsque nous aurons atteint ce pont, nous le traverserons définitivement. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. Tu as raison. On va faire comme ça. Et c'est la vie. La vie est pleine de risques. Bien sûr. Alors nous allons juste prendre un risque pour devenir des millionnaires. N'est-ce pas? Il n'y a pas à s'inquiéter, faisons-le. Tout ira bien. Es-tu sûr de cela? J'en suis certain. 100% sûr. 100%. Allons la voir demain et après, on va continuer notre journée. Écoute, bien on sûr. Se dit, l'argent passe avant tout. C'est ça le secret. Ne très, très pas. Important. Tous mes rêves, je dois les réaliser. On verra bien. Je rêve de construire un gratte-ciel. Sauf si, s'il y a quelqu'un dans ce village qui mérite d'être riche, c'est moi. J'ai la vision d'un millionnaire. Et moi, alors, je sais dans quoi investir. Qu'est-ce que moi j'ai? Qu'est-ce que tu diras donc? Tu me connais, je dois y penser. Je l'ai aussi. J'ai des grands rêves. Sérieux, j'ai un grand rêve. Unkwadi a des grands rêves. Oui, j'ai un grand rêve. Dis-nous tu sais tout. Quoi? Procurons-nous d'abord cette okéité. Tu as besoin d'un okéité pour actualiser tes rêves. C'est ça. Ayons un okéité. Tout ira pour et lui. Tout ira bien. Ouais. Tu as compris? Argent, nous voilà. Allons-y. Thank you.
Kia! Ni, 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 ni! Hey! Le voyage que vous allez entreprendre sera très difficile. Mais vous n'êtes pas les premiers ou alors les derniers. Pour ce qui est du prix. Grand sage, quel que soit ce qu'il faut pour préparer Okeïté pour nous, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à tout, grand sage. Grand sage, j'étais de mon côté. Quand ils sont venus me voir, ils m'ont dit que Okeïté était la solution à tous mes problèmes. Qu'une fois que je serai chez vous et que vous me donnerez Okeïté, ma souffrance prendra fin. Je suis donc venu pour que vous me donniez le premier Okeïté de première qualité. Quand je venais ici, j'ai vu des petits. Je n'ai pas besoin de cette taille. J'ai besoin d'un gros Okeïté. Ah, parce que je veux que mon argent soit beaucoup. Ah, et tout ce que vous me demanderez de faire, je le ferai. Je ne sais pas pour les autres. Êtes-vous sûr? Oui, oui, nous le sommes. Oui, oui. Nous sommes prêts. Mmh. Ah. Au moment où vous mettez les pieds dans ce lieu, il n'y a plus de marche arrière. Grand sage, nous sommes prêts à faire tout ce que vous voulez. Nous sommes venus préparer. Nous ne pouvons pas rentrer, n'est-ce pas? Oui, Guébar ou quoi? Ha! Grand sage, c'est comme si vous doutiez de nous. Dites-nous ce qu'il faut faire. On est prêts à le faire. Tout ce que nous voulons, c'est que vous nous donniez Okeïté pour qu'on puisse faire de l'argent. C'est très simple. C'est tout ce dont nous avons besoin. Ah! Grand sage, nous avons besoin de cette Okeïté. Comme vous pouvez le voir, j'ai des grands rêves. Ils savent tous que j'ai des grands rêves, dont nous sommes prêts à tout pour devenir riches. Il faut le sang d'une jeune fille pour le sacrifice. Grand sage, on va devoir rentrer parce qu'on ne nous a pas dit cette partie. Ada Oliza, tu ne nous as rien dit par rapport à ça. Tu ne nous as pas expliqué cette partie assez dangereuse. Je pensais qu'une fois venu ici, on nous donnerait Okeïté et on commencerait à faire de l'argent. Hein? Ha! Na! Abouti. Mm. Vu que c'est ainsi, je pense que nous devons y retourner chercher une fille pour le sacrifice. Mm. Que dis-tu? Qu'est-ce que j'ai Comment? Hey! Sais-tu le temps que ça nous a pris pour qu'on soit là? Sais-tu combien de montagnes et de rivières on a traversé pour être ici? Et tu veux qu'on rentre à ce stade? Qu'est-ce que non, c'est? Non, c'est pas possible. Oh Dieu! Nous devons partir et chercher une fille, non? Qu'est-ce que tu racontes? Un instant. Et vous, B, est-ce que tu vois ce que je vois? Quoi? T'es une fille, n'est-ce pas? Madame, quoi? T'es une fille, non? Hé! Attrapez-la! Elle ne doit dire à personne ce qu'elle a vu ici ou entendu. D'accord? Allez la ramener. Hé! Hey, allons-y. Viens avec nous. Viens. Toi. Rassure-toi de la ramener. Ferme la ramener. Allez. Hé! Aoudi gadi gadi gadi! Awano dogoudou gare goudou. Kanaga gounou gounou gane gounazi. Pahyo gane gounou. Hé! Aganako gounou gounou sangajo. Gajo! Rattrapons-la! Et vous, mais... Abouchou, s'il te plaît! Laissez-moi! Ah! Arrêtez! S'il vous plaît! Il faut l'arrêter! Ne me faites pas ça! S'il vous plaît, je vous en prie! S'il vous plaît! Lâchez-moi! Hé! Hé, c'est quoi?
Izimini kwenu kwetide. Eh kwezo gade kwene boy kunu. Eh mwenu kuru gare gare kuru gare gare bari kuru. Eh ma nyongo vega bebe 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 kuru banyaru kwa bebe bebe yamrini. Kwa ninyo. Ba, echi. Kwa degu. Maintenant, écoutez bien. Vous commencerez à gagner l'argent dans 27 jours. Personne ne posera son regard sur ce pont. Espérant qu'à l'expiration de ces 27 jours, vous tuerez un coq et verserez son sang dans ce pot chaque jour du marché. Les rivières seront claires pour vous avant que vous n'arriviez sur les rivières des rivières. Aucun œil ne doit voir ce pot sacré. Et maintenant, laissez-moi vous dire une chose. N'oubliez pas d'apporter mon pourcentage dès lors où vous commencerez à gagner de l'argent. Si vous échouez, mais vous pouvez maintenant partir. Partez. J'ai accepté de la tuer! Et nous l'avons utilisée pour nourrir localité! Pour que nous ayons la raison de se dévoiler! As-tu de l'argent? Ok, Ité. Viens ici. Combien as-tu? Ok, Ité. Ok.
Oguité, oh. Hey, hey, j'aurais de l'argent. Avez-vous de l'argent? Vous voulez de l'argent? Vous voulez de l'argent? Venez ici. Oguité, ok. Oguité, ok. Oguité, ok. Okite, oki, okite, oki, okite. Hey, Diego, as-tu de l'argent? As-tu de l'argent? Maintenant sors, sors. Okite, 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 oki, okite, okite, oki. Okite, oki, okite, oki, okite, o. Adolisa, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'imagines pas l'horrible rêve que je viens de faire. Oh, s'il te plaît, à ton âge, tu rêves des mauvais rêves. Tu peux pas comprendre. S'il te plaît, laisse tomber. Madouabouchi, il y a quelque chose que je veux qu'on discute. Tu vois, tu sais qu'on a beaucoup souffert dans ce village. On a beaucoup souffert. On doit faire quelque chose, n'importe comment, pour avoir l'argent. Tu as raison, nous en avons besoin. Il y a un charme. Il y a un charme, hein. Si on utilise ça, on va avoir beaucoup d'argent. Ils appellent ça Okete. Hein? Encore ça? Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.